Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma page Aïstampi News. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, bienvenue Véronica, Stéphanie, Cécilia. Coucou les filles. Aujourd'hui, on va se faire une carte masculine inspirée d'une des pages du catalogue Stampin' Up parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, mais comment elle a fait cette carte? Comment elle a été faite? Alors, je vais vous montrer de quelle carte il s'agit. Mais en attendant que tout le monde se connecte, je vais vous montrer un petit truc qu'on a fait avec mes filleules dimanche soir, parce qu'on se retrouve le dimanche pour bricoler ensemble sur Skype. Et j'avais vu une carte avec vraiment une jolie carte sur Internet. Et ma filleule Géraldine s'est occupée de nous faire un petit tuto et de nous donner toutes les bonnes mesures pour pouvoir réaliser cette carte. Et donc c'est cette carte-ci. Alors je vous montre le devant. Donc on l'a réalisé ensemble en version Skype et puis on refera la semaine prochaine parce qu'on n'était pas très nombreuses ce dimanche. Donc voilà, on se retrouve de temps en temps pour bricoler et elle s'ouvre ainsi. Regardez, alors je vais vous en montrer un petit peu du dessus. Voilà. Donc ça, c'est cool d'avoir une équipe super sympa comme ça. On fait des trucs super sympas ensemble. Et voilà, on passe à chaque fois un bon moment, on rigole, on n'a pas vu l'heure, on a coupé l'été très 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 tard. Et voilà, donc ça c'était pour vous faire patienter en attendant que tout le monde arrive. La petite carte que j'ai faite, donc merci à Géraldine d'avoir fait le tuto et nous avoir donné toutes les mesures qui allaient bien. Du coup, elle est nickel, elle va super bien. Voilà. Alors, coucou à Lucie! Coucou à Christine, Stéphanie, Valérie qui est au boulot. Ben, bon courage pour le boulot. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc. Alors, je vais vous montrer le catalogue. Donc, c'est la collection Tour du Globe. Et sur cette page, donc page 25, si vous avez votre catalogue, ben, les gens en feuilletant m'ont dit, mais comment est-ce que ça a été fait, cette carte-là? Est-ce qu'il y a un plioir? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je ne vois pas bien. Et donc, ben aujourd'hui, je vais vous montrer quelle technique a été utilisée pour réaliser cette carte. Donc, vous la retrouvez page 25 si vous voulez du catalogue. Et moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, je ne l'ai pas fait dans les mêmes couleurs et on va le faire encore dans une couleur encore différente aujourd'hui. Voilà la carte que j'avais préparée pour modèle. Vous voyez, on voit bien du relief, mais je vais vous montrer, ce n'est pas un plioir. Voilà. Alors, dites-moi si à l'écran, vous voyez bien. Parce que du coup, c'est important, c'est l'élément principal de la carte, c'est justement travailler ce volume et vous montrer ce volume. Donc, dites-moi si vous voyez. Alors, je vois des petits cœurs, donc j'imagine que ça doit être bon. Mais n'hésitez pas à me mettre un petit message. Donc, j'ai un retour image et je vois que ça va, on voit à peu près bien. Même si mon retour image est un petit peu décalé, donc. Voilà. Donc, superbe. Bon, bah nickel. Alors, aujourd'hui pour cette carte-là, donc j'ai pris une carte un petit peu d'un format un petit peu différent. Donc, elle est carrée. Je suis partie d'un carré de 12-12. Donc, pour. Alors, pourquoi? Voilà. Wow, j'adore. Oui, je kiffe. Cool les filles. À chaque fois, vous me suivez dans mes délires, c'est cool. Alors, ici, j'avais utilisé la couleur Doux Suède. Je trouve qu'il se prête bien pour des cartes masculines, pour des cartes bah, justement avec cette collection. Moi, je trouve que voilà, c'était un pari assez facile. Dans le catalogue, elle est en vert. Alors moi, j'avoue, le vert, j'ai un petit peu du mal à le travailler, mais je m'oblige un petit peu, hein. Voilà. Et donc, du coup, pour la carte d'aujourd'hui, j'ai voulu prendre une des nouvelles couleurs Stampin' Up, qui est Mystérieuse Brume. Alors j'ai déjà découpé mon papier parce que faut savoir c'est la dernière feuille qui me restait. Donc il faut que je recommande très très vite parce que cette couleur me plaît énormément. Donc preuve que voilà, elle me plaît beaucoup, c'est que j'ai déjà tout utilisé. Donc j'ai découpé un morceau qui fait 12 par 24 et on va venir le plier à 12. Coucou Aline, Katia, Karine, bienvenue les filles. Alors, je fais mon pli à 12 pour obtenir en fait une carte carrée de 12 par 12. Simplement. Et je vais tout de suite recoller à l'intérieur. Alors, comme je l'ai fait ici,
J'ai recollé un morceau de papier très vanille à l'intérieur parce que écrire sur du. Bah alors, sur le doux suède, c'était pas terrible. Sur le bleu, ça reste foncé, donc je préfère remettre un petit papier. Donc, je le fais de 11,5 par 11,5 pour qu'il soit un petit peu plus petit que ma carte. Comme ça, c'est fait. Voilà. Ensuite, ben je vais coller déjà à l'intérieur, comme ça ne traînera pas sur le bureau. Ce sera fait. Donc ça, c'est l'intérieur de notre carte qu'on pourra. Alors ici, je ne l'ai pas fait, mais on pourra venir mettre un tamponnage ou quelque chose. Des chutes de papier, de temps en temps, une petite bande ou quelque chose pour faire un rappel de la première page. Donc ici, voilà notre carte comme elle se présente. Et donc pour arriver à faire ceci, ce que j'ai fait, et donc il n'y a pas de plioir, effectivement, hein, contrairement à ce que. Même moi, quand j'ai feuilleté la première fois le catalogue, je me suis dit, ah, c'est beau, ça va faire un joli plioir. Et puis après, en regardant un peu plus en détail, je me suis dit, mais non, mais il n'y a pas de plioir, effectivement, ce sont des dies qui ont été utilisés. Et donc c'est la collection de dies qui va avec la collection Tour du Monde. Alors, les dies en eux-mêmes tout seuls, ils s'appellent Globe Terrestre. Bon, ils portent bien leur nom pour le coup. Et en fait, on est venu ici et sur le catalogue découper la map monde ici en ton sur ton. Alors, je vais vous montrer parce que cette étape-là, je l'ai prédécoupée parce qu'il y avait beaucoup de map monde à faire. Et le reste, on va le faire ensemble. Mais voilà, j'ai prédécoupé. Alors, j'en ai prédécoupé 9, je crois. Petite map monde. Alors, les mêmes. J'ai pris les mêmes. Il faut savoir que dans la collection, on a les deux côtés du globe. Donc selon à qui on peut envoyer une carte, parce que de temps en temps, ben, on en envoie, enfin moi personnellement, ben, au Canada justement. Et donc voilà, ça peut être l'occasion d'utiliser l'un ou l'autre en fonction de à qui on adresse sa petite carte. Et donc en fait, ici, on va venir les travailler ton sur ton. Et vous voyez, ton sur ton, ils vont ressortir. Bon, je vais les coller, hein, vous inquiétez pas. Et ils vont ressortir suffisamment pour avoir l'impression que c'est embossé, mais pas complètement pour dire de voilà, ça fait pas, c'est pas un papier uni. Alors, je vais prendre une petite colle. Alors, j'utilise pas la même colle que d'habitude ici. Alors, normalement, j'aurais dû utiliser la colle de précision de Stampin' Up, mais je n'en ai plus. Elle est en rupture pour le moment, donc j'ai ressorti un vieux tube de colle qui fait un peu pinceau en fait, si vous voyez. Et ça, du coup, pour coller des petites choses, c'était pratique également. Donc voilà, c'est pas la colle de précision, mais ça va m'aider. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller en fait le premier. En premier, je vais coller celui qui est au centre. Donc, je mets de la colle un petit peu tout autour et je vais le coller au centre. Alors à peu près, hein. C'est pas très grave de toute façon parce qu'on va en mettre tout autour. Mais pour pas partir dans un coin, pour pas que ce soit. Si vous partez d'un coin, ça va se voir que vous êtes parti d'un coin parce qu'on n'arrivera pas en bas à quelque chose de bien, ni sur les côtés. Et donc on verra vraiment de quel endroit vous êtes parti. Tu me donneras la référence de tes plaques magnétiques pour les dies. Ah, oui, on en reparlera, Valérie, il n'y a pas de problème. Donc je pars du centre, comme ça en fait à l'extérieur c'est bah, on verra comment ça tombe, mais ce sera pas ce sera plus naturel on va dire. Alors ici je vais coller les suivants. En fait l'idée c'est de recouvrir notre carte avec les map mondes. Alors ce que ça va faire c'est que ça va déborder forcément de la carte et c'est ce qu'on veut. On coupera ensuite ce qui déborde. Oui, sinon tu peux prendre des feuilles adhésives, mais je n'ai pas encore commandé de feuilles adhésives et je n'ai plus du tout les anciennes. Et donc voilà. C'est très bien comme ça. Hop, la colle de précision sinon est très très bien, mais effectivement comme je n'en ai plus, eh ben, on fait avec les moyens du bord. Alors sinon, quand j'en ai qu'une à coller, je colle avec ma Tombow, hein, il n'y a pas de souci. Hein. D'habitude je fais tout avec ça, c'est vrai que là... Pour avoir des choses un petit peu plus précises et pour éviter que ça déborde, et ben c'est cette colle-là était pratique à l'époque. C'était de la Stampin' Up. Hein. Alors, pourquoi il me reste ça dans un tiroir, je ne sais pas. Mais c'était très pratique. Une fois qu'on a fait une ligne comme ça, en fait, on va venir les mettre en quinconce. Alors, je vais en mettre une et vous le montrer d'un petit peu plus près.
Bon, je pense qu'on voit quand même ce que ça donne. Même si c'est ton sur ton, pour le coup, c'est pas forcément évident pour vous montrer. Mais voilà l'idée. Et on va continuer ainsi à remplir. Donc on va mettre d'abord les pleines, on va dire, celles qui ne seront pas découpées. Et ensuite, on viendra mettre les map monde qu'on aura découpées. Donc ici, je vais remettre deux pleines en bas. Coucou Céline! Hop, si je mets ma map monde dans le bon sens, ce sera mieux. Sinon, on va se demander quoi. Alors, ici, je la mets en bas. Alors, vous voyez, je l'ai mis un peu plus haute finalement que sur la première carte. La première. Et du coup, j'arrive en map monde complète. C'est pas gênant du tout. Ici. La suivante. Hop là. Donc vous voyez, il n'y a pas de secret dans le catalogue. Ils ont des idées, mais on en a aussi et on est capable de les reproduire. Non. En plus, on a comment un fichier qui nous dit les couleurs utilisées, les produits utilisés sur chacune des créations du catalogue. Donc c'est quand même pratique. Ici, ce qu'on va faire. C'est qu'on va venir coller, mais juste le côté ici. Alors, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Et on va venir couper. Et l'autre morceau, on va le mettre en face. Comme ça, en fait, on utilise une découpe pour les deux. Et en plus, on est raccord au niveau de la map monde. On a bien le début d'un côté et la fin de l'autre. Donc, juste pour être à peu près logique et éviter le gaspillage de papier. Donc, ici, j'en colle un morceau. Je vais faire la même chose en haut et pendant. Après, je les découpe. Pour éviter, comme ça, ce sera bien collé. Voilà. Voilà ce qu'on a obtenu jusque-là. Donc, je vais découper ce qui dépasse de ce côté. Et on va pouvoir réutiliser le morceau en face. Je découpe tout doucement. Hein. Alors, on pourrait couper au massicot si vous préférez. Mais c'est très bien au ciseau. Hein. C'est rapide. Voilà. Donc, ici, je vais remettre ce morceau en face. Et celui-là, ici. Comme ça, j'ai complété entièrement mon carré avec mes map mondes. Alors, vous voyez, pour un rectangle de 12 par 12, il vous faudra 9 map 9 map monde, pardon. Et ici, je vais mettre l'autre morceau. Donc on a l'impression qu'on a, vu qu'on a du ton sur ton, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un plioir, un gaufrage du papier. Hop! Regardez, bon, je vais découper ce qui dépasse. Et on a une carte déjà bien avancée. Au niveau du fond. Ensuite, viendra simplement ajouter la déco. Hop là. Donc je coupe tout ce qui dépasse. J'ai de la pub qui apparaît sur mon ordinateur, tout va bien. C'est pas le moment, sinon je vois plus les commentaires. Voilà. Hop. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si la couleur bleue vous plaît, si vous préfériez la couleur douce suède. Moi, perso, le bleu, ben, c'est ma couleur préférée. Hein. Donc forcément, je vais instinctivement et plus facilement vers ces couleurs-là. Mais de temps en temps, il faut que je sorte un petit peu de ma zone de confort parce que tout le monde n'aime pas le bleu. Hein. Et donc, j'essaye de proposer des choses un petit peu différentes. Alors, hop! Voilà, on n'en a plus besoin. Et voici ce que ça donne. Dites-moi, c'est pas mal, hein? Donc on obtient bien ce qu'on a sur le catalogue. Je vous remontre, hein. Surtout que c'est tout petit pour le coup pour vous montrer à l'écran la carte qui est ici, donc qui était vraiment, on avait l'impression d'avoir un embossage. Et voilà comment il a été réalisé. Donc facile à réaliser. Et du coup, vous avez une base de cartes qui est déjà assez jolie et assez travaillée, moi, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez?
Dites-moi tout. Je ne sais pas si les commentaires fonctionnent parce que j'en ai pas beaucoup aujourd'hui et je ne les vois pas. Donc n'hésitez pas, mettez-moi des petits commentaires. Donc voilà, donc on a la base de notre carte ici et on va venir la décorer un petit peu et faire quelque chose de sympa. Donc ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu quel papier design on a dans cette collection. Alors il faut savoir que je les ai déjà pas mal utilisés. Donc j'en ai quand même des morceaux déjà découpés. Donc on a dans cette collection des tons verts, des tons bruns, des tons noirs, des tons bleus et du doré à chaque fois. Donc on a une collection qui est vraiment très jolie. On a du jaune aussi, pardon. Voilà, donc ce sont les nouvelles couleurs. Le nouveau bleu, donc mystérieuse brume. On a le beau bourdon pour le jaune. On a le cidre à la cannelle. Voilà, ce sont les nouvelles couleurs. Alors regardez, hop. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau. Alors je pense que je vais partir sur celui-ci. Ou celui-ci. Mais j'ai envie de prendre celui-là. Alors, je vais partir sur ce morceau pour pouvoir venir faire une étiquette et une étiquette ensuite en vanille. Alors, simplement, je vais garder ce morceau. Franchement, c'est ma collection coup de cœur. C'est la première que j'ai eu envie d'acheter dans le catalogue. C'était vraiment, vraiment un gros coup de cœur. Et donc, du coup, j'ai acheté toute la collection, les cartes, les rubans, les petites décos, tout, tout, tout. J'ai tout pris. Alors, ici, on va prendre du vanille pour faire la seconde étiquette. Et donc, pour faire les étiquettes, j'ai pris ces découpes. Alors, qui étaient en lot vendus avec les oiseaux. Si vous vous rappelez, libre comme un oiseau. Et donc, il s'appelle couture étiquette imbriquée. Donc, ici, je vais en prendre deux de tailles différentes pour pouvoir venir les superposer comme ceci. Alors, comme je ne sais plus exactement quelle taille j'ai pris, je vais. Voilà. J'ai pris celle-ci pour. En plus, c'est tout juste pour mon papier. Donc, c'est nickel. Pas de perte comme ça. Et ensuite, un ton plus petit dans le vanille. Voilà, donc je vais attraper la Big Shot et je coupe ça. J'aime beaucoup cette collection, très jolie. Oui, c'est ma collection préférée. Ouais, elle est magnifique. Je suis d'accord avec toi, Cécilia. Hop. Alors, un petit peu de place pour la Big Shot. Et donc, on va mettre nos découpes. Je vais mettre les deux en même temps, ce sera fait. Alors, si vous avez comme là un quadrillage, essayez de mettre votre papier le plus droit possible pour éviter d'avoir quelque chose qui a l'air bancal une fois découpé. Alors, hop. La collection coup de cœur, mais vraiment, un peu, je pense, pour beaucoup de personnes. Et c'est vrai qu'on aime bien. En plus, c'est un côté voyage, c'est un côté. Enfin, moi, ma maman est fan de MapMonde. Et donc du coup c'est vrai en plus quand j'ai vu cette collection je me suis dit que c'était vraiment pas un hasard, c'est top, je vais pouvoir lui faire plein de petites choses sympas avec. Alors je mets ça de côté, on en aura besoin ensuite, mais pas tout de suite. Ici, nos deux étiquettes sont découpées. Ces étiquettes, elles sont pratiques parce que vous voyez, on en a quand même 8, plus une petite comme ceci, mais on en a 8 et en fait, elles se superposent. Donc, c'est pratique quand on a des étiquettes à faire. Comme ça, on peut alterner du papier uni et du papier design, ce qui fait de belles étiquettes. Donc là, je range au fur et à mesure. Comme ceci. Alors, on va la plopser un petit peu différemment. J'ai envie de changer un petit peu. J'ai envie de faire un petit peu comme ça. Hop. Alors, je vais venir coller directement le papier ici sur mon fond de carte. On aurait pu garder un papier encore bleu, mais après, je trouve que ça fait un peu trop ton sur ton. Donc, je me suis dit qu'un peu comme ça irait très bien. Pour beaucoup, c'est une collection qui, le premier jour du catalogue, a beaucoup, beaucoup marché. Vraiment, elle a été beaucoup plébiscitée.
Alors moi je sais que c'est une que j'ai mis en avant parce que voilà, moi je l'adore. Mais elle a été beaucoup plébiscitée par, par les ventes. Et franchement, j'en suis contente. On va pouvoir faire toutes plein de belles choses. Ici, alors je vais vous montrer. Je vais mettre un petit morceau de ruban. Alors normalement, je l'ai préparé. Mais je ne sais plus où. Alors voilà autre chose. Je ne sais pas où j'ai posé mon ruban. Ah, juste ici. Voilà. Donc je suis venue mettre un petit peu de ruban pour faire un petit nœud sur ma carte. Alors, juste j'attrape ce qu'il me faut. Voilà, j'étais pas loin. Alors, au dos en fait de ma de mon étiquette, ce que je vais faire, c'est je vais mettre un peu de snail, donc des adhésifs en rouleau. On en a des nouveaux dans le catalogue qui sont top top top, mais moi je termine celui-ci avant tout. Alors, je fais à chaque fois dans le mauvais sens. En fait, ça va permettre de venir tenir mon ruban le temps que je fasse mon nœud. Parce qu'ensuite l'étiquette est collée, donc il n'y aura pas de problème. Mais voilà. Donc je viens mettre mon ruban. En plus, comme ça, en bout d'étiquette. Sinon, il aurait eu du mal un petit peu à tenir. Et je viens faire un petit nœud. Éventuellement, ce qu'on peut faire pour que ce soit plus... alors là, il n'est pas très droit. On peut le recoller et le remettre. C'est ça qui est bien avec le snail et les rubans. C'est qu'il n'y a pas de souci là-dessus. On peut éventuellement mettre un petit peu de snail ici sur le ruban pour l'aider à le maintenir sur notre étiquette. Hop. Comme ça, on n'a plus qu'à venir faire le nœud de ce côté. Alors, un petit nœud, j'ai pas coupé un ruban très très grand, mais ça devrait aller. Moi, j'ai déjà acheté deux lots de papier. Oui, parce que Valérie dit qu'il faut les couper. Moi, j'ai aucun souci à couper mon papier parce que je sais que de toute façon, mon papier, je vais pouvoir l'utiliser pendant un an. Donc, du coup, bah, je sais que même si je le coupe et que j'ai trop coupé et qu'il m'en reste pas, bah, j'ai encore la possibilité de le racheter avant qu'il disparaisse. Donc, n'hésitez pas à couper vos papiers. Là, j'ai des personnes qui m'ont contacté récemment parce qu'elles étaient justement toutes contentes d'avoir réussi à couper leur premier papier Disney pendant le confinement à force de suivre. Mes vidéos, donc j'étais toute contente. Donc non, il ne faut pas hésiter à couper ces papiers. Alors, un peu de 3D pour faire tenir cette étiquette sur notre carte. Simplement. Coucou Maddy. Je suis contente que tu sois là. Alors, ici, je vais venir le coller. Donc en fait, l'idée, c'est juste le coller en décalé. Et on va venir mettre un petit peu de décoration dessus. Hop. Un peu de ménage en passant. Donc sur la première carte, j'avais utilisé donc l'encre Doux Suède pour faire la plume. Ici, ben, on va utiliser l'encre Mystérieuse Brume. Donc cette fameuse nouvelle encre. Pour faire notre jolie plume. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, hop, c'est trop petit pour la plume. Alors, ici, donc comme je vous le disais, on a des petites étiquettes. Donc, je suis venue en mettre une devant. Donc, ça, je vous l'expliquais sur une des vidéos. Et la seconde à l'intérieur pour se rappeler quelle couleur on a ouvert sur le bureau lorsqu'on est comme ceci et qu'on a besoin de tamponner. Donc, je vais venir prendre ma plume. Alors, le set de tampons. Ici. Avec la plume. Cette plume est juste magnifique. On en a eu plusieurs chez Stampin' Up de plumes depuis quelques années. On en a eu plusieurs fois. Mais jamais une aussi belle que celle-ci. Alors je fais attention parce que les encres, quand on les reçoit, elles sont neuves. Et elles sont très très ancrées. Donc voilà, on obtient une magnifique plume. Alors j'espère que vous voyez à l'écran pour celles qui ne l'ont pas encore commandée. Mais cette plume est juste magnifique de détails. Vraiment. Ensuite, ben, je vais tamponner un encrier.
Alors là, j'ai utilisé du couleur café pour l'encrier parce que je trouve que ça ressort bien. Et notamment pour les cartes masculines, c'est une couleur qui passe vraiment, vraiment bien. Donc c'est ce que je vais faire là. Je vais utiliser du couleur café. Et en plus, qui rappelle le ruban qu'on a mis. Donc c'est parfait. On voit bien les détails. Nickel. Parce que c'est vrai que des fois, à la vidéo, on ne se rend pas trop compte. Donc là, c'est bien si on voit bien. Alors ici, je vais mettre mon encrier. Donc vous voyez, c'est pareil. L'encrier est tamponné de façon à ce qu'on voie des ombrages. Donc on a vraiment une impression de 3D. C'est pas juste un truc plat. Il est vraiment. Il est magnifiquement travaillé ce set de tampons. J'aime beaucoup, beaucoup. On a également la même chose sur le pied. Le pied du globe qui est également travaillé et qui donne ses impressions de 3D. Vraiment, il est très sympa. Bon, après, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que moi, je l'adore. Alors, forcément. Après, j'ai encore personne qui m'a dit, ah, oh, cette collection, moi, j'aime pas du tout. Peut-être, hein, qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Voilà. Donc, on va découper ça à la Big Shot. Hop. Ici, je reprends ma Big Shot. Avec la poignée de mon côté, ce sera plus facile quand même, hein, parce que c'est pas vous qui allez tourner la manivelle, donc ce sera plus facile si c'est moi. Et je vais venir mettre les dies. Alors, je vais. Pour les retenir, je mets un petit peu de masking tape parce que j'ai tendance à pas être au-dessus de tout à fait de la Big Shot comme habituellement et je bouge quand je suis en live et donc pour ne pas rater mes découpes et devoir recommencer trois fois alors que vous attendez, et ben je les sécurise, on va dire. Donc la plume et le petit encrier. Comme ça, je peux bouger, je peux décaler et tout va bien. Alors, coucou Isabelle. Donc ici, on en a terminé avec la Big Shot pour aujourd'hui. Hop, je l'enlève. Donc ici, on a nos motifs qui se sont découpés. On met masking tape des fois avec aussi. C'est rigolo. Alors c'est du masking tape à pas cher. Je pense que. Et que, je ne sais pas, j'ai acheté en lot et en fait celui-là, je ne l'ai, je l'aime pas spécialement. Et donc du coup, pour utiliser de cette façon-là, ça me va très très bien. N'utilisez pas vos masking tape préférés pour faire ce genre de choses. Vous avez également. Des rouleaux de scotch repositionnables. Alors j'en ai un quelque part aussi. Mais voilà, c'est le masking tape qui arrive souvent plus rapidement. Ici, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller l'encrier. Alors je vais vous montrer. Je vais mettre la plume. Alors, mon nœud va m'embêter. Voilà. Je vais mettre la plume comme ceci. Alors on aurait pu tamponner un petit peu des zigouigouis. Alors je ne sais pas comment vous appelez ça, les petits. Moi, j'appelle ça un zigouigoui. Voilà, on aurait pu tamponner ceci comme pour montrer qu'il y avait de l'écriture qui arrivait. Mais je ne l'ai pas fait. Et si je le fais maintenant avec le 3D, c'est un petit peu risqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mon encrier. Voilà. Donc, par ici. Je ne vais pas faire tout à fait la même mise en page que j'avais fait au départ. Et je vais venir glisser la plume. Oups, pas tout à fait collé. Je vais venir glisser la plume à l'intérieur. Donc je vais la glisser un petit peu derrière. Donc pour ça, je coupe la pointe parce que sinon, elle est un petit peu longue. Et je viens mettre une petite mousse pour donner un petit peu de volume à cette plume. Pour montrer qu'elle est plus qu'elle est en 3D quoi. Donc ce que je fais c'est que je mets une mousse 3D en bas et je vais en mettre deux l'une sur l'autre en haut.
Comme ça, on aura vraiment cet effet de... voilà, il ne veut pas venir. Cet effet de 3D, de volume, qu'on veut retrouver. J'aime bien les cartes qui ne sont pas forcément plates. Voilà. Regardez. J'en ai mis deux d'un côté, un de l'autre. Et je viens simplement le glisser sous le départ, voilà, sous mon encrier. Et je viens le coller. Et donc, on a quelque chose davantage en 3D. Voilà, il nous reste à mettre un sentiment. Alors là, j'avais pas envie de remettre quelque chose de ce set-là. J'avais envie de changer un petit peu. Et donc, du coup, je voulais une carte pour un anniversaire. Donc, masculine. Donc, du coup, elle s'y prête bien. Donc, je vais prendre un set de tampons où il est marqué Happy Birthday. C'est un nouveau set de tampons qui est en lot avec une perforatrice qui fait des timbres. Et moi, je trouve ça super sympa. Et le Happy Birthday, alors ici. Vous voyez, le Happy Birthday est vraiment très joli. La calligraphie est belle. Et donc, c'est celui-ci que je vais prendre pour mettre comme texte. Et donc, je vais prendre simplement une petite chute de papier. Et je vais l'ancrer pour rester dans la même teinte. Dans les mêmes teintes, je vais prendre le couleur café. Voilà. Et en fait, je vais venir le détourer simplement au ciseau, comme j'avais fait sur la première carte. Des fois, on s'embête à faire des étiquettes. Et je me rappelle que quand j'ai commencé le scrap, je faisais souvent des étiquettes comme ça, découpées, détourées, tout autour. Et je faisais souvent ça. Et j'ai eu l'idée de refaire la même chose ici. Donc voilà. Pour montrer que finalement, des fois, on s'embête avec plein de choses. On a quelque chose de sympa. Bah, tout simplement, je viens découper. Alors légèrement arrondi, mais je viens découper mon étiquette et la détourer au ciseau de façon, voilà, comme en fonction de ce que j'ai envie, un petit peu arrondi. Donc on obtient quelque chose, bah forcément d'une fois sur l'autre, on n'aura pas tout à fait la même découpe, mais c'est pas du tout gênant. Voilà, j'obtiens une petite étiquette comme ça. Alors sur une des cartes que j'ai faites et que j'ai publiée ce matin, j'ai carrément déchiré le papier sur lequel je suis venue mettre mon texte. Donc ça peut être aussi une autre idée pour faire des effets, c'est de carrément déchirer le papier. Alors ici, je vais mettre mon texte de ce côté. Je trouve qu'il s'y prête mieux. Vous voyez, on aura deux cartes différentes juste parce qu'en fait, on aura positionné les choses de façon différente, mais avec les mêmes outils, les mêmes choses. Une belle carte pour la fête des pères, par exemple. Alors moi, la mienne est déjà partie parce que c'est aussi l'anniversaire de ma maman jeudi et donc j'ai fait partir les deux cartes hier. Donc, ils ont déjà leur carte de partie. Donc ici, je vais mettre le Happy Birthday ici. Voilà, comme ça. Donc, ça reste sobre. C'est des cartes masculines, donc on ne peut pas s'amuser à rajouter plein, 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 plein de trucs. Les messieurs aiment mieux quand même les choses un petit peu, enfin souvent hein, en tout cas, les choses un petit peu plus sobres, moins fleuries, et donc cette carte s'y prête bien, je trouve. Des fois, on est embêté à pas savoir quoi mettre sur une carte masculine, et au final, voilà, un peu de couleur masculine, des tampons qui ne sont pas typés fleurs, papillons, cœur, et le tour est joué. Ici, je vais rajouter des petits strass. Mais j'ai envie de brillant sur ce côté-là pour ramener une petite touche de brillant. Voilà. Alors ici, j'avais utilisé... Ah bah c'est bien, c'est... je ne sais plus. Je ne sais plus. En époxy. Voilà, je ne sais plus leur nom. Les gouttelettes en époxy. J'avais utilisé les gouttelettes en époxy. Et là, je vais utiliser simplement les cristaux du Rhin. Une carte sublime, super s'il vous plaît. Coucou Annie, Lindsay, Dominique. Coucou les filles. Alors ici, je vais venir mettre, voilà, je perds mon strass. Un strass par ici, par exemple. Et deux plus petits. Alors je vais en mettre, j'ai envie d'en mettre sur le bleu quand même. Voilà. Pour
ramener un petit peu de brillant à cette carte. Voilà, tout simplement, dites-moi ce que vous pensez de ma carte du jour, qui se veut masculine, sobre, et puis qui vous montre comment on peut faire pour faire un faux effet de plioir. Donc on a l'impression d'avoir un gaufrage, mais non, non, ce sont bien des découpes. Donc vous pouvez faire ça avec tous les tampons, tous les dies que vous avez. En fait, en travaillant en ton sur ton, comme ça, vous obtiendrez quelque chose de très sympa. Donc ça peut être, par exemple, j'avais pensé avec le set de tampons avec le fard, on a l'encre, on aurait pu revenir, découper plein de fois l'encre et faire un fond de carte comme ceci. Donc on peut le faire vraiment avec plein de choses différentes. On aurait pu le faire, par exemple, avec la plume, découper juste la forme de la plume. Voilà. Donc j'espère que cet atelier, cette vidéo, ce live, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé encore un bon moment avec vous. Mais je vous retrouve... alors, on est quelle jour? On est mardi, je vous retrouve jeudi. Donc maintenant, ce sera tous les mardis et les jeudis nos lives, puisque je garde les week-ends pour pouvoir proposer des ateliers en réel, pas en virtuel. Je suis contente, les ateliers reprennent là tout doucement, donc je vais... voir les copines et tout ça, donc je suis contente d'aller bricoler. Même si je suis super contente de bricoler avec vous, j'ai un petit peu l'impression de parler toute seule. Donc là, ça va me faire du bien de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Voilà. Donc, je vous retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, amusez-vous. Si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas, je passe une commande ce vendredi. Une commande groupée, donc n'hésitez pas à participer à la commande si vous en avez besoin. Moi, très honnêtement, je vais recommander du papier parce que je n'en ai plus, donc voilà. Et puis j'ai plein de choses à commander aussi qui me plaisent beaucoup dans le catalogue. Donc, voilà, ma liste est longue. Donc je vous retrouve jeudi, et puis en attendant, je vous souhaite une belle après-midi. Bon scrap, et je vous fais des gros bisous. Salut les filles!